réflexion-production, un atelier pédagogique qui est le produit d'un partenariat entre l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, la faculté des sciences de la santé, la Confédération internationale des sages-femmes et le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, UNFPD. Donc je suis là pour travailler avec une équipe de sages-femmes, sages-femmes enseignantes, sages-femmes praticiennes désignées par l'université pour produire, élaborer et convenir d'un référentiel de compétences de la sage-femme qui correspondent aux standards de licence master doctorat du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Maroc, mais également aux standards pédagogiques internationaux de la Confédération internationale des sages-femmes. Nous avons jusque-là produit le référentiel de compétences et nous sommes en train d'ajuster le programme de formation en fonction des compétences identifiées. Et c'est donc un programme basé sur les compétences. Donc le travail de cet atelier, cette initiative qui va être validée dans quelques semaines par les responsables de l'université, on peut considérer que c'est une étape vers l'accréditation internationale du programme d'études de sages-femmes par la Confédération internationale des sages-femmes. Donc quand il y a alignement aux standards internationaux, il y a de grandes chances de recevoir une accréditation internationale.